Rabbi Kertov, Hashem Hashem Nase, Venatsiak, on est ce matin, le jeudi 8 du mois de juillet, le 28 du mois de Tammuz. Je rappelle que Rosh Chodesh, ça tombe ce Shabbat, Bezrat Hashem Yitbarach. Shiur ce matin sur un des mamars de la paracha de la semaine, acheté par Bernard Serfati pour l'askara de sa maman, Nejba Bat Mira. Et Shayom Yom Kudata, Ruach Hashem. Et aussi l'askara aujourd'hui de Eliezer ben Nathan Levi. Pour Hana Bat Mesaouda Anna El Narefanala. Et aussi en urgence pour Jonathan Ephraim ben Patricia Mesaouda. Anna el narefana lahem, Anna el narefana lahem, Shkut haTorah tagen ba'adem, ובכל השם להם, ותתהפך מן האפלה לאורה, לחיים טובים שלנו בכללם, את השם הטוב, האישה צנומרת, חנה? בת זיידה. סיידה. בעזרת השם, רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, שתקום מחוליה ותהיינה בריאה ושלמה מכל הבחינות, בכללם, מורת אמי, יוין בת אסתר, שרת על בת פרת מרים, ופרסך עושי אמיר, פיתוסי בן רבקה, ינאי בן אסתר, ונה מחלוף בן שרה, רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, רונה. חיה רוחמה אסתר בת רבקה, ג'ולו בן יסמין ידן, רובן עמוס אברהם חיים בן מלכה אוריאל רבקה, חיה בת אסתר, ברוך בן רות סופן ומיר בן רות סופן מבנימין, הלל בן מרטין אסתר דבורה, בת רבקה זווי, לילול נשמת אלף אלף עבדים, ג'ורג' אליהו בן שמחה ליס ותותנות רשימה. און דונרה בעזרת השם אומנותם, וכלל השם גרון ראשית אתונו תורמים, ובכללם הצלחה רבה ל... מרים בת לאה, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יברך אותה ובכל אשר לה ותזכנה להרוויח בכל אשר תפניה לחיים טובים ושלום, בעזרת השם זכות כל המצוות אשר היא עושה, תראה רק ישועות ונחמות, בעזרת השם יתברך. לנו נשמעת עושי דונה? חנינה בת דונה, זה בון. בעזרת השם יתברך, ועשוית עונה ללומייר, למרית. De deux Sium Masechet de Moshe Shai, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, Bezrat Hashem, Shrechem Israël, Shezachutem, les Gadel Ben Kazé, Shem Varechoto Bechol Asherlo. Hein? Pour Hashlema, les Asher Jem, toujours on pense à toi, ne t'inquiète pas, Asher. Bezrat Hashem. Yala. On commence un sujet, sur Ve'et Bilam Ben Be'or Aregu Be'harev. Le Ben Ishraï nous ramène ici, juste un instant, peut-être que j'ai pas pris le bon livre. Si, c'est ça. Ok. Pourquoi Be'etzem Argu et Bil'am Be'charev? Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est Madoua ou Mipnema Be'etzem. On a besoin de nous dire comment est mort Bil'am. Il est mort, il est mort. Les rats, les mauvaises personnes, les gens qui ont un mauvais cœur, leur mort était déjà une bonne nouvelle. Mais tu viens, tu me dis, il s'est fait écraser par un train, ou il s'est suicidé, ou il a été assassiné par un couteau, ou on lui a tiré dessus. Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça me change? Aïkar, shetivrach nishmato migufa, venihye lehaim tovim. Il y a des gens qui sont vraiment rois à lèvres. Il y a des gens qui ont vraiment, sache-le, ça existe, malheureusement, un vrai mauvais cœur. C'est-à-dire qu'ils avaient une lumière en eux, mais ils l'ont tellement noirci, noirci, que c'est, il y a que Dieu après qui peut les changer. Ce n'est plus dépendant de ce que nous, on peut faire. Comme par exemple, la Torah nous donne beaucoup d'exemples dans ce genre de cas. Avimelech. Avimelech, il est en compagnie de Yitzhak Avinu. Et malgré le fait d'être en sa compagnie, il change pas. Autre exemple, Lavan est en compagnie de Yaakov et il change pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas changer, qui sont tellement en train ils sont avec une belle neshama à la base, mais ils vont tellement, tellement la pourrir, que d'ailleurs la maladie la plus connue dans ce domaine où il n'y a presque plus d'espoir au fond du cœur, c'est ce qu'on appelle les sociopathes. Ou sociopathes, c'est ce qu'on appelle les PN aujourd'hui, pervers narcissiques. Ce sont des gens qui ont tellement, tellement, tellement enfui la lumière de leur cœur au plus profond du néant, que même s'ils veulent changer, ce sera comme un coup de vent. C'est hop, ça revient. El mala asot. Et donc, il y a des gens qui émettent, comme on dit en tunisien,
Il y a des gens, quand un bébé est né, on dit « Ah, Baruch Abba, Baruch Abba ». Et il y a vraiment des gens qui ont fait tellement de mal dans leur vie et qui ne font pas de tchouva, qui restent sur leur position, qui vivent dans le déni, du qui on peut dire facilement « Mlaracha ». Très facilement, « Mlaracha », c'est malheureux à dire, c'est très dur à penser, mais « Dai letzarotenu ». Ça veut dire que si ta vie n'est là que pour détruire celle des autres, ton départ est une grande fierté pour le peuple d'Israël. « Mlaracha ». Ta'ouf me'aynenu, zeo maspik. L'air techadesh, lama, là-bas, ils vont briser la clipa, bien comme il faut, et peut-être que tu reviendras en Gilgoul avec une échama normale, qui fera du bien autour de toi et non pas du mal. La gravité de faire du mal est tellement, tellement prise en compte, que même les morts cliniques, hormis nos livres qui en parlent, puisque même Kippour ne fait pas la capara entre un homme qui a fait du mal à l'autre, mais uniquement un homme qui s'est révolté contre Dieu, que ça ne pardonne pas. Un homme peut avoir fait tous les biens du monde entier. À quel point la Gemara nous dit dans Baba Metzia Nunchet, une personne qui a simplement humilié l'autre en public, il n'y a pas marqué « Ve'asa mitzvot » ou « Masim tovim »« En lo helek la'olam abba » Il a fait Torah, il a fait Tzedaka, il a étudié la Torah toute sa vie. Toute sa vie, il a étudié la Torah. Comme on avait avec Rabbi Eleazar ben Rajbi, qui a dit à une personne « Mon Dieu, qu'est-ce que tu es laid ?» Parce qu'il lui a demandé de la Tzedaka. Il lui a dit « Mais comment tu peux être aussi laid ?» Il lui a répondu « Tu n'as qu'à demander ça à mon créateur. » C'est à l'artisan qui m'a créé. Rabbi Eleazar a descendu de son âne. Il lui a couru derrière pour lui demander pardon. Oufren, aussi un grand rave dont le nom m'échappe, en Russie, qui avait humilié une personne en public. Il lui a demandé pardon. Il lui a dit non. Il lui a redemandé pardon. Il lui a dit non. Ani lo islach lecha. Et là, il lui dit, tout ce que tu me demandes, je le ferai. Il lui a dit, donne-moi ta fille. Tu veux que je te pardonne? Il lui a donné sa fille. Il lui a dit, mais toi, fais tchouva. Il lui a dit, je fais tchouva. C'est pour vous dire à quel point nos chachamim, moi-même une fois avec Rabbi Moshe Ederi Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, il m'a repris sur un mot en public. Je venais de faire à peine teshuva à propos du mot Edotecha, j'avais dit Edotecha au lieu de Edevotecha. Et je ne comprenais pas que le Vav était une consonne et que le point en haut était une voyelle. Et comme il m'a repris deux fois et que j'ai arrêté un instant, je me suis senti gêné parce que je ne comprenais pas ce qu'il disait, à voir comment il m'a couru derrière pour me demander pardon. J'ai eu honte de sa réaction, j'ai eu honte de moi. Il a déferlé les escaliers, il a mis sa main devant la porte, il m'a supplié, il transpirait, dis-moi que tu me pardonnes de tout ton cœur. Et pourtant, c'est lui qui m'apprenait à lire. C'est son travail. Il a fait quelque chose de bien. Mais il a vu que ça m'a fait un tout petit... Et c'est vrai que j'ai eu honte en public, je pensais que je lisais un peu mieux, ça y est. Il m'a repris en public comme ça. J'étais jeune. Et il m'a dit, non, j'ai vu que j'ai fait ça sur une Avera. Et nous, comment on s'en va balader? Et benzo, espèce de ceci, espèce de cela, et on hurle en public, et tu... Et après on vient à la synagogue, Hachem Sefata et Tiftar, Vyagi de la Terra. Que de l'humour. C'est vraiment de l'humour. Azlachen, Katoufpo, Mishum She'amar Bil'am Arashaim Mahshemov Zichro, Bil'am, même lui en compagnie de Moshe Rabbeinu. Attends, t'as vu Moshe Rabbeinu, il le connaît depuis qu'il était en Égypte. Ouais. Moshe Rabbeinu. Il voit les Nissim Beniflaot, de la sortie d'Égypte, la mer qui s'ouvre, le don de la Torah. Bilam est au courant de tout, puisque c'est lui qui va leur dire, alors que le don était en train de se faire dans sur le Sinaï, il dit, le monde s'effondre. Il dit, non, les enfants d'Israël reçoivent la Torah de Dieu. Donc il est au courant de tout. On peut pas dire qu'il n'est pas au courant, il n'y a pas que Da'at Elyon qui savait. Il n'y a pas que les secrets de quand Dieu se met en colère qui savait. Il savait absolument beaucoup plus de choses. Il était le prophète des nations du monde. Bah, si tu es au courant de tout ça, tu sais que Dieu existe, puisqu'il dit, attendez, je parle avec Dieu, Dieu lui parle. Ouais. Alors pourquoi tu ne changes pas? C'est paracha, malheureusement. Ce verset-là, malheureusement, nous apprend que dans la vie, il peut y avoir, même chez des juifs, des gens qui s'appellent Bilam. Et la Mishnah, dans Maseret Avot, le dit explicitement. Comment c'est marqué dans Maseret Avot? D'où est-ce qu'on sait qu'il y a des gens, Haz v'Shalom, le peuple d'Israël, Kadosh? Voici les élèves d'Avraham, et voici les élèves. À qui ça s'adresse quand on dit voici les élèves de Bilam? Ben pourquoi aux juifs? Parce que qui c'est qui étudie Maseret Avot? Pendant que les goïms étudient la fontaine. Ouais. Nous on étudie Maseret Avot, ça s'adresse à nous. Il y a des gens qui ont le cœur de Bilam. Bémet. Il y a des gens qui ont un cœur comme celui de Bilam. Mais attention. Quand il s'agit de mourir, tamot nafshi, kemot yeshari. Quand ils doivent partir de ce monde, ils veulent partir tzaddikim. Ils veulent faire le travail du satan, mais juste avant de mourir, ni tzaddik. Zelo vet kacha. La reine, comme Zelo Ovet Kacha, qu'est-ce qu'a dit Bilam? Il marche chez Mouvzichro. Qu'est-ce qu'a dit Bilam? Il a dit, ce qui compte pour moi,
c'est de mourir par le Shem Améphorach. Comme ça, le nom de Dieu vient sur moi. Comme ça, quand je meurs, ouh, ça te dit. Au moins, je pars avec le nom de Dieu. Comme il a vu qu'il n'y arrivait pas et que Moshe Rabbeinu ne comptait pas le tuer lui-même, il a dit, bon, regardez, c'est quoi un juif? Bilaam Arachel, il a dit, alors au moins que je meurs par une épée d'un juif. Un juif qui tient une épée, c'est un Ekdesh. Un juif, comme on a vu par exemple les tzadikim, comme Rabbi Yaakov Abouhatsera, ou même Baba Salé. D'accord? Ou même, on raconte comme ça une fois, je vous avais raconté cette histoire d'un garçon qui, malheureusement, à l'âge de 6 ans, a commencé à perdre la vue, jusqu'à ce qu'il est devenu complètement aveugle. Malgré tout, il a continué à étudier en yeshiva, et il avait payé extrêmement cher son père une gemara, une seule gemara qu'il avait fait en braille. Et il avait l'habitude de la poser toujours au-dessus de la sifria, de la bibliothèque. Et un jour, en rentrant, quelqu'un l'a interrompu, et il savait plus où on était dans ses pas pour arriver au-dessus de la bibliothèque. Et il a mis sa main. Il se trouvait pas, donc il est passé un peu plus sur la gauche, et d'un coup, il sent sa gemara. Donc il la descend, et quand il la descend, il sent quelque chose dedans. Il ouvre, et il y avait une paire de lunettes, très épaisses, bizarres, qu'il avait jamais encore touchées. Quand il les a pris et qu'il les a mis sur son nez, il s'est mis à hurler au Beth Midrash. Il voyait 6 sur 6. Il les enlève, tout noir. Il remettait 6 sur 6. Quand ils ont appelé le Rosh Yeshiva, ils ont demandé « Ma korepo ?» C'est quoi ce miracle incommensurable? Alors ils ont ouvert la Gemara, hein, et c'était la Gemara du Pnei Yeshua. Un très grand commentateur aussi du Talmud. Le Pnei Yeshua, il y a Harif Batora, Tzadik Yesodolam. C'était sa Gemara. Et le dernier jour, il a laissé ses lunettes dedans. Il mettait les lunettes du Pnei Yeshua qui n'ont regardé que de la Kdusha. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas les bus avec les deux hommes qui s'embrassent ou deux femmes qui se caressent. Il n'y avait pas ça. Il n'y a pas ça. Ses yeux, ils ont vu que de la Kdusha. Ses lunettes, elles étaient kadosh. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant, lui? Bilaam, il a dit, bon, ben, s'imagine comme ça, le juif, il vient pour le tuer, il dit, vas-y, tue-moi. Pinchas, il dit, surtout pas que personne n'utilise une arme du peuple d'Israël. Amam Israël Kedoshim. Même les armes d'Israël sont Kedoshim. Lama, chez Anachno Rayenu Kama Pa'amim, que le Hamor de Rabbi Pinchas Ben Yair, Kama Yanizhar, ou bien il faisait très, très, très attention de ne pas manger si on n'avait pas prélevé la dîme. Tout ce que possède un tzaddik. Il y a aussi une histoire avec un jeune homme qui était très très malade. Les médecins lui ont dit qu'il était mourant. La femme était très très pauvre. Elle est partie taper à la porte de la rabbanite à côté. Et elle lui a dit, est-ce que vous n'avez pas une couverture? Qu'est-ce qu'elle a fait la femme? Elle est partie dans la chambre, elle a porté une couverture. Elle pose la couverture sur l'enfant. La fille, elle tombe. Elle enlève la couverture. La fille, elle remonte. Elle met la couverture. Le médecin lui a dit, mais c'est quoi? C'est une couverture magique? Ils sont partis voir la rabbinite à côté. Elle dit, non, ça c'est la couverture avec laquelle mon mari, à la vache à l'homme, les 18 minutes qu'il dormait à part étudier la Torah, 24 heures sur 24, il se couvrait qu'avec cette couverture. Et même quand il dormait, il récitait la Gemarot Baal Peh. La couverture avec laquelle il se couvrait, quand il se posait sur l'enfant, il était bari. Pourquoi? Parce que les objets que possède un tzaddik, yesh ba kdusha gdola me'od. Ce que touche un tzaddik, yesh beze kdusha gdola me'od. On le voit, une paire de tefilines qui appartenait à un tzaddik, comme mazolé. Une chose qui appartient à un tzaddik, comme mazéala. Pourquoi? Il y a la gdusha du tzaddik qui fait passer, comme c'est marqué, lecha, ou bechol asher lecha, ata, ou vincha, ou bitecha, vemtecha. Pourquoi ton animal, il doit faire Shabbat si c'est le tien? T'as déjà vu Dieu, il s'est adressé aux vaches? Franchement. C'est sûr que non. Aval, si ta vache, elle est à toi, mashmashesh gdusha bezé. Et on a vu pareil. Que celui qui est débauché, même ce qu'il possède, devient débauché. C'est-à-dire que tu achètes un objet d'une personne, comme le disait Chachamim, quand ça ne va pas dans ta maison, qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous? À part bien entendu celui qui fait des grosses avérotes, des gros péchés. Il y a un truc qui ne va pas chez toi à la maison, Chazal, ils disent, regarde si tu n'as pas un objet volé chez toi. Quel rapport avec un objet volé? Peut-être que tu as acheté un objet qui a été volé, il est chez toi. Et alors? Eh bien, c'est comme, vous savez, les psamim, comment on appelle ça? Les... Ouais, tu sais, tu mets la bouteille, ça envoie des odeurs. Il dit, quelque chose qui est volé, qui est chez toi, ça envoie de la touma du vol toute la journée dans ta maison. Et ça te trouble l'esprit. Ce qui fait que des fois, tu peux pas comprendre quelque chose chez toi, tu es avec ta femme, et tu fais preuve de mauvaise foi. Tu sors dehors de la maison, tu la comprends très bien, tu vois, tu as raison. Tu re-rentres à la maison, tu redeviens bidon. La main.
Parce que là-bas, il y a des choses que tu n'aurais pas dû avoir. On dit les Chachamim, Dougma, Lotikar Shohad, Nachon, Lotisapanim. Mazel Lotikar Shohad, combien vous connaissez tous l'histoire de ce Dayan qui devait juger deux concurrents, et il y en a un des deux, il a pris une pièce de sa poche et il lui a mis dans la poche du Dayan sans que le Dayan le sache. Quand il est venu voir le Mishpat qui était tellement clair qu'il y en a un qui était un voleur, l'autre qui était honnête, c'était tellement flagrant, il a dit, j'arrive pas à trouver la solution. Il me faut quelques jours. Et quand, trois jours plus tard, il s'est rendu compte que Béhémet, il n'arrivait pas à y voir clair, il est parti sur la tombe de son père, il lui a dit, je t'en supplie du ciel, donne-moi une réponse. Pourquoi je n'arrive pas, l'ifsoc, pourtant, divinez ma monote, divinez les fachotes, je connais tout ça, comment juger. Et là, je vois tout trouble. Son père, il est venu la nuit dans les rêves, il lui a dit, fouille ta poche, parce que celui-là, t'as mis une pièce dedans. Il est parti dans sa poche, il a trouvé une toute petite pièce. Bah, moi, je suis menti. Et ça s'appelle Shohad. Il comme si je te donne de l'argent pour que tu sois pour moi. Il n'était pas au courant. Regardez ce qu'une pièce de Shohad, sans que tu sois au courant, peut influencer dans ta vie. Teremaz, la reine Bilam, il savait tout ça. Ah, Beharev, qu'est-ce que voulait Bilam? Allez, c'est pas grave, que n'importe quel juif qui prenne un couteau, allez, Botarogoti. Rien que tu tiens ça dans tes mains, toi qui vas prendre la Torah dans tes mains, si tu prends après quelque chose, il y a un peu de Kedusha qui va rentrer à l'intérieur. Un peu de Kedusha. L'influence est tellement grande, c'est pour ça qu'on prend un sandak en général, qu'il soit Yerech Shamaim, un sandak qui ne fait pas d'Averot, Lama, parce que le fait qu'il soit sur la chaise, Zachor Letov, il va influencer l'avenir de l'enfant. Comme Ahashuv Be'ezrat Hashem. Et si le père qui doit monter sur la chaise, il n'est pas tzaddik, qu'est-ce qu'on fait? On demande à un tzaddik de se tenir derrière le père et de tenir la chaise sur laquelle est assis le sandak pour que lui, il influence sur la touma du père qui n'était pas digne de monter, mais malgré tout, respect des parents, sinon c'est Gog ou Magog, la guerre mondiale, qu'aidé chez l'enfant et qu'abel chef, c'est Romain. Le tzaddik derrière, il tient la chaise pour annuler la touma du père qui fait même pas Shabbat, patate, des trucs de fou. On dirait, tu sais, je te touche, électricité. Hâte qu'aidé car. L'influence est très, très, très importante. Une fois, je me rappelle, il y a très longtemps ici, quelqu'un qui était en train d'étudier et je le voyais souffrir dans son étude. Je dis, bon, elle va t'asseoir à la place du Rav Pirzon, c'est à l'époque du Rav Chaim Pirzon. Je vois, j'ai assieds-toi là-bas. Ça, c'est là-bas, il me dit, mazé, nafkamina. Je lui dis, comme là-bas, il y a quelqu'un de très, très, très calé en Torah qui est assis, Ashpia, l'Ashpa, l'influence de la chaise, Ashpia, l'Echabe, Aizrat, Hashem, Barach. La reine Tichel. Parti là-bas, il m'a dit, je vais m'asseoir à la place du Rav là-bas. Je lui dis, non, là-bas, c'est trop intelligent, tu vois. Soyons humbles. Et la reine, ici, à Tadishmaya, mais on autre chouv. De comprendre et d'analyser comme Bilam Arasha Ratzalamut Beherev Shel Yehudi Banuseazim. Ici, je me rappelle que j'ai brièvement vu des ta'amim qui ramènent pourquoi Beitzem Bilam Arasha Ratzalamut Mi Herev Yehudi. Et il dit comme ça. Bilam Arasha Iniach et Aherev et Natal et Umanutam Shel Israel Shei Bape Uba Lekal Elam Bepiv. Alors il dit ici, premier ta'am, je sais bien que j'avais jeté un œil sur le sujet, j'avais vu qu'il en parlait ici, donc j'en profite. L'arme principale de Bilam, comme on peut le voir avec son ânesse, c'était l'épée. Mais quand il s'agissait d'Israël, il a utilisé la force d'Israël. Et notre force à nous, elle est où? Ni avec les tanks, ni avec l'armée. Que Dieu bénisse notre armée, on en a besoin, c'est pas ce que je veux dire. Mais la force d'Israël, c'est la prière. D'accord? Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé son épée face à Israël et il a utilisé la bouche. Donc, pourquoi on nous dit qu'il a été tué par l'épée? Oui? Parce que, comme tu es venu prendre notre arme à nous, qui est la force de la prière, nous, on va venir prendre ton arme à toi pour te tuer. Azaïmet, avec quelle épée il a été tué dans ce cas-là? À sa propre épée. Pendant qu'il y avait la guerre avec Midian, Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, il a cherché sur le camp où est-ce que Bilam a jeté son épée. Quand il a trouvé l'épée de Bilam, qui était entourée de serpents, de dragons, tout ce qui est tamé, il y avait dessus, tous les shemot, hashmada, hashmishmorechem, toutes les choses tamées, il a pris cette épée, bah, imze au haragoto, avec sa propre épée, pour ne pas qu'il y ait de la gdoucha d'Israël. Bilam ou Lavan à Arami. Vare Lavan et Yaakov, kartou berit benehem. Vous vous rappelez que quand Lavan a poursuivi Yaakov, ils ont fait un petit mont de pierre, sur lequel ils ont fait une alliance. Et cette alliance qu'ils ont fait là-bas était que le premier
qui entraverait cette limite, l'un vis-à-vis de l'autre, ouais, se rendra coupable de mort. Lavan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ok. Yaakov a dit ok. D'accord, vous vous rappelez à la fin? Très bien. Comme on a vu que Lavan Bassov, il a vécu 500 ans. D'accord, il a vécu très longtemps. Il y en a qui disent que Bilaam, c'est Lavan. Et qu'est-ce que, où est-ce que, quelqu'un peut me dire, où est-ce qu'on voit que Bilaam, qui est Lavan, il a entravé le contrat qu'il a fait avec Yaakov? Où est-ce qu'on le voit? Où est-ce qu'on voit qu'il est repassé par l'endroit où ils avaient créé cette alliance? Ce mont de pierre qu'ils ont monté ensemble pour signe d'alliance. Où est-ce qu'on voit, hein, Moshe Shai? Où est-ce qu'on voit ça, d'après toi? Vous vous rappelez l'histoire de l'ânesse qui va lui écraser son pied contre le mur? Ce fameux mur dont on parle dans la Torah, c'est le mont de pierre, le monceau de pierre qu'avait créé Lavan avec Yaakov. Quand l'âne va passer, il va se mettre contre ce monceau de pierre et fracasser le pied de Bilham, qui n'était autre que Lavan, selon la Gemara. Mais Lavan est d'accord qu'il trouve Brit. Et qu'est-ce qu'ils avaient mis en haut? Alors la raison pour laquelle il a été aussi tué par une épée, c'est que Lavan et Yaakov, pour bien montrer que celui qui entraverait ce pacte passerait par le glaive, ils ont planté Excalibur dans ce monceau de pierre. Ils l'ont planté à l'intérieur. Donc étant donné que c'est Lavan qui maintenant porte le nom de Bilham, ou réincarné, il y a plusieurs déotes, dans Bilham, résultat des courses, étant donné qu'ils avaient dit quoi, qui a fait ça? Celui qui, on a un autre exemple comme ça, qui a planté une épée, et Chizkiyahu HaMelech, que celui qui entrave la parole de la Torah passera par ce glaive. Voilà. Pareil, il a planté une épée en mettant en garde. Il fait méode. Il y en a qui disent, qui c'est qui a planté cette épée? C'est Lavan qui a pris cette épée, qui l'a plantée, lui a dit, regarde, ok, on fait une alliance, je prends cette épée, je la mets sur ce monceau de pierre sur lequel on crée l'alliance, que jamais l'un ne viendra voir l'autre. Il lui a dit, très bien. Pinchas, il est parti prendre cette épée d'Afka et il est parti le tuer avec. À qui elle appartenait cette épée? À Lavan. Et la reine, à Ragoto. Regardez combien la Torah va perdre de temps pour vous faire gagner du temps dans la vie. Parce que tu dis ça à quelqu'un en 2021, dans lequel nous sommes aujourd'hui, jeudi, d'accord, 28 du mois de Tammuz. Qu'est-ce que j'en ai à faire de savoir que Bilham, il est mort d'une épée qui vient de droite et de gauche? Pour te dire que même la façon dont une personne, elle meurt, les objets, leur influence, comment Kadosh Baruch Hu menavet et ta'olamazé, combien on peut laisser d'empreintes positives ou d'empreintes négatives. Comme tu l'as dit, le meurtrier a laissé ses empreintes. Sur quoi? Sur tous les objets de la scène du crime. Ou Bilham Arasha Bikesh Vahamar, Tamot Nafshi, Mot Yesharim, Mot Yahariti, Kamou, ou Kedeshelo, Yizke, Lamut, Kiyoudi, Mitat Kodesh, Aliede, Hashem, Mforash. Voilà ce que je vous dis, il le dit aussi. Akenargo, Oto Beharev, Kemitat Behema. Oh, qui c'est qu'en général qu'on tue avec un couteau ou une épée? L'animal, la shrita. Il dit, étant donné que lui, il s'est comporté comme un animal, puisque sa femme, elle s'appelait comment? Vous savez qu'on connaît le nom de la femme de l'animal. Elle s'appelait Anes. C'était son âne. C'est la femme de Bilham. Oui, c'était sa femme. Ouais, il n'était pas marié, il vivait en concubinage. Ils n'étaient pas mariés, ils vivaient en concubinage. Mais je rêve. Fallait venir rien que pour cette phrase, fallait venir. Top. Chachmei oto ador danuet Bilham arasha mipnei sha'asak beinani kishufim. Vare ben Noach she'avar al achat mizvot hayav mita v'seif v'davka. Et lachen danu oto chachamim lemita kedin ben Noach. Il dit maintenant, regardez cette explication comme elle est super belle. Étant donné que Bilham, il connaissait l'unité de Dieu, il avait un din de ben Noach. Et un ben Noach qui fait des kishufim, qui fait de la sorcellerie, chayav mita, étant donné que tu es maintenant passé à ben Noach parce que tu connaissais Dieu, donc un monothéiste qui reconnaît Dieu, il est déjà passé dans la notion de ben Noach, c'est-à-dire un goy qui a un monde futur,
Et étant donné que Bilam Racha, She'en Ochelek Lo Lamaba, Avar Al Divrei Torah Beisur Chamur, des Keshufim, de la sorcellerie, il faisait des incantations avec les démons, Hayav Mita. Et comment Hayav Mita? Beseif, par l'épée. Béné Israël, ça c'est qui rapporte ça? Emek Daba. Bnei Israël, chashushu shim bilam yaro yareg al yedei shem kadosh yitachen shem mehamad ze yeh tikun lenishmato. Oh, ce que je vous ai dit tout à l'heure, regardez, c'est incroyable ce qui ramène ici au nom du Arizal. Lachen argu beharev tama. Oh là 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 là, c'est incroyable ce qu'on lit ici. Le Arizal nous dit comme ça, écoutez bien cette explication, elle est waouh. Il dit pourquoi il est impératif que Pinchas et que tout le peuple d'Israël cherche tout ce qu'il faut sauf quelque chose de kadosh. Il dit le Arizal, parce que une personne qui a une âme pourrie, noire, de chez noire, mauvaise, de chez mauvaise, s'il meurt par quelque chose de kadosh, zegam tikkun la neshama shelo, et il aurait pu grâce à cela avoir son monde futur pour aller au Guinam, Gilgouli, machin truc chouette. D'accord? Donc il était impératif qu'il n'ait pas de tikkun par sa mort. La reine, pourquoi je vous dis c'est incroyable? Parce que malheureusement, il arrive des fois que des gens fassent leur alliance en Israël, alors je sais pas si c'est relié à Israël, et dès qu'ils arrivent ici, tac, ils ont la maladie, tac, ils s'éteignent, tac, ils meurent, accident. Alors c'est horrible. Quoi, tu fais ta alliance et tu meurs? Tu fais ta alliance et t'attrapes le cancer pour partir, t'attrapes le machin. Bah, ça veut dire qu'on meurt pas dans les autres pays, hein, ceci étant, les gens qui sont partis vivre en Hollande, ils sont morts aussi. Avant la idée, à Evdel, c'est que comme le dit la Gemara dans Ketubot, la terre d'Israël fait la capara de tes fautes. Donc le fait de mourir en Israël, d'une personne qui fait sa alia et en fin de compte, quelques temps après, il meurt, il a un srout incroyable selon ce que dit le Arizal. Pourquoi? Il dit qu'il colle makom chez Eshbo Kedusha ou tikkun la neshama. Tout endroit qui a de la Kedusha fait la capara des fautes, comme c'est marqué, Vechaper Admato Immo. La terre d'Israël fait la capara des fautes de l'homme. La terre d'Israël. Mourir en terre sainte, c'est un mérite incommensurable. Nous, on ne comprend pas aujourd'hui parce que mourir, c'est pas un mérite pour nous. Aval dans le Tachlès, si tu meurs en dehors de la terre d'Israël, c'est ma mash baaya. Prenons un exemple. Le Zohar Kadosh nous dit, mourir en Chutz Laaret, c'est Babaou qui vient te prendre. L'ange de la mort, le Satan, avec ses 613 yeux comme ça, en Eretz Israël, qui c'est qui vient te prendre? C'est Ndour Aliana. C'est l'ange Gabriel. Il vient gentiment, il est blanc, il est beau gosse, la face, la fossette sur le côté, les dents blanches, le casse-croûte tunisien dans la main droite. Alors, Yaoul des Chinois, hein. Ça y est, c'est fini, viens, on rentre à la maison. Ayallah. Hamoud. D'argou, beharev, tama'a, davka, kedeshelo, itikun, inishmato, comme le rapporte, balébrit, Abraham, beshem, ha'arizal, c'est qu'il aurait eu un tikun, pas simplement il meurt, mais il a un tikun, celui qui meurt par quelque chose de kadosh, donc celui qui vient mourir, et qui est monté en Israël, par exemple, et qui meurt, même jeune, lors de l'alim, un accident de voiture, il est mort en Israël, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'il ait un tikkun sur sa neshama, et que par ce tikkun-là, il ait le monde futur. Chez Yeshlo Tikva, par la Kedusha, même où les portes de Gan Eden lui étaient fermées, maintenant, elles se réouvrent pour lui. Donc, faut être patient dans la vie. Ben Israël ratzou l'orgo, bechol mine mitot velo, itzlichu, vasof, itzlichu l'orgo, rag becharev shelo. Et dit le Zohar Kadosh qu'en réalité, les enfants d'Israël, ils ont voulu vite se débarrasser de Bilam à cause de son Aïnara, qui était très fort. Ils ont essayé de le tuer avec leurs épées. Aucune épée, dit le Zohar Kadosh, n'a pénétré sa chair. Pourquoi? Parce qu'Akadosh, il a protégé Bilam. Il est hors de question qu'une épée d'un juif, qui est Kadosh, elle tue ce rachat-là. Jusqu'à ce qu'il ait pris une épée, et donc Bilam, il n'avait rien à faire des épées. Il avait pas peur de la mort, celle ne transperçait pas. Quand est venu Pinchas avec sa propre épée qu'il lui a, il a dit, vas-y, plante! Et il a planté, car irzir et nishmato, bilam arasha, it avrev, al atono ve yem alea, shim aita, harev beyado, aya orgo, otale alta, alken, ainishno oto, be orgo, be harev davka. Oh, il y en a qui disent mida, keneged mida. J'aime bien cette explication, elle fait très, très Walt Disney. J'aime beaucoup cette explication. Qu'est-ce qu'il a dit quand l'ânesse, Dieu, il lui a fait parler sa bouche. L'ânesse, en train de s'est mis à parler. Pourquoi tu me frappes? Ouais. Non, moi, je t'ai pas frappé, c'est l'ânesse. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dommage, si j'avais une épée dans les mains, je t'aurais tué tout de suite. Eh ben, sauf, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chercher une épée et il l'a tué. D'accord? Alors, l'ânesse, elle a porté plainte. Elle a dit, ah, et quel kata oseli? Si t'avais une épée dans les mains,
Akshav, chez Shlocherev Beado, Gamou Niftar, c'est-à-dire ce qu'il a souhaité à la Nes, qui n'a fait rien d'autre que transmettre un message divin. Et il lui a dit, si j'avais une épée, voilà ce que je te ferais. De là, on apprendra Mida Keneged Mida Lobatla. Quand tu veux faire du mal à quelqu'un, ne t'étonne pas que ce même mal te retombe sur la tête. Kach Mevim, qui c'est qui dit ça? Bissem Helev, Masakh Matot. Amila Beherev, si vous observez bien le mot, Herev, Beherev, Echou Niftar, Katour, Beharev, Nachon, il est mort. Bech, avec cette épée-là, nachon? Le mot Beharev, si vous regardez bien, c'est Bet, Het, Resh, Bet, nachon? Gematria, Riv. Ça veut dire dispute. Tu es venu chercher des disputes. Quand tu fais la Gematria du mot Herev, Beharev, ça fait Gematria, Riv. Au lieu d'avoir fait Teshuvah, comment il aurait été appelé? Si Bilam, il avait fait Teshuvah en disant à Balak, Mapitom, ce peuple, le peuple de Dieu, il faut le suivre. Leur Torah, c'est la vérité. Et patati patata. Il aurait été Gematria Rabbi. Il aurait été devenu un des rabbis du peuple d'Israël. Mais étant donné qu'il a fait le contraire, alors il est devenu Rive. Tu es venu chercher des disputes, la Rive, en hébreu, qui veut dire dispute. Et Kevan, Shibilam, Arasha, Balesh, Lecharher, Rive, Madon, Beisrael, Alken, Argu, Oto, Beharev, Davka. Et il dit en général, les gens qui cherchent constamment des disputes, les voyous, ainsi de suite, ils finissent souvent avec un coup d'épée, un coup de couteau, un coup de canif dans leur vie. À Kadosh Baruch Hu, il laisse, Chas v'Shalom, les gens qui aiment tout le temps les disputes, faudra pas s'étonner d'entendre que quelque chose ait pénétré leur corps pour les mettre à mort. Et pour finir, Harev, c'est les Reshetivot de Bikshu Cheshbonot Rabim. Pourquoi il est mort Becherev? Parce que c'est les initiales de « ils ont demandé le din vecheshbon ». C'est-à-dire que quand est arrivée la fin de la vie de Bilham, Akadosh Baruch Hu, il a répondu « Yalla, Arshav, titnouli, din vecheshbon ». Vare Bilham arasha asa cheshbonot, rabim kene limtso et azemanim bimidat ad-din sholetet ba'olam vekach, yuchlu lekalet Israël elken argo oto becherev davka velu bedvarim acherim. Et là, je finis avec cette très très belle explication. Pourquoi Davka y a marqué, je trouve ça un peu facile de dire, pour Bilham, Kherev, c'est les initiales de, comme il dit ici, Bikshu, Becheshbonot, Rabim, ils ont essayé de faire avec lui beaucoup de comptes. Mais tout le monde, Dieu, il fait le din Becheshbon. Pourquoi pour lui c'est marqué Becharev, Davka, Bikshu, ils ont demandé, qui a demandé le Bedin d'en haut? Et Lama, il dit parce que tout ce que faisait ce rachat, vous savez, une des formes de Rishout dans ce monde qui est extrêmement grave, ce sont les calculateurs, ceux qui invitent pour les enveloppes, ceux qui sont gentils uniquement quand ils ont des intérêts. Ce qu'on appelle les calculateurs. Hachemichement, c'est une grande richout d'être comme ça. C'est le contraire de tout ce que veut la Torah. Ah, t'as pas d'argent, tu m'intéresses pas. Ah, tu n'as pas ça, t'as pas ta voiture, tu m'intéresses pas. Vous connaissez ces gens qui calculent tous, ce sont des calculateurs. Le numéro un au monde de la création du monde dans ce domaine, c'était Bilham. Bilham, il calculait tout, même à quelle heure Dieu il se met en colère. Jusqu'à Dieu lui-même. Il calculait. À ce jour est venu le Bikshu. Mise Bikshu, bête. Cheshbonot, het. Comme il dit ici. Bikshu, cheshbonot, rabim. Herev, beherev. Tous les nombreux. Nombreux quoi? Autant que toi, tu as calculé toute ta vie comment fréquenter les autres et comment faire du mal aux uns ou aux autres. Beotamida, le jour même de ta mort, Aïviu b'hajbon et kol advarim alalu valedekar ivinu v'efinu b'ezrat Hashem shakol ba'olam hazeh din b'hajbon. La vie, comme j'ai fait un shiur il n'y a pas tellement longtemps, est un boomerang. Celui qui fait du mal, il croit qu'il s'en sortira en d'avoir kazé. Comme tous les menteurs, mon Dieu, toutes les personnes qui mentent, qui font des embrouilles, qui racontent des choses, il y a toujours, je ne sais pas pourquoi, il y aura toujours des abrutis pour les croire. Vous avez remarqué ça? Pourquoi il y a des menteurs? Pourquoi il y a des voleurs? Pourquoi il y a des receleurs? Parce qu'il y a toujours un client en face. Au lieu de poser les bonnes questions, au lieu d'enquêter, au lieu de bémettre se renseigner, au lieu d'écouter les deux sons de cloche, on prend tout le temps pour acquis. Content. Tout. On peut dire n'importe quoi, n'importe qui. N'importe quoi. Genre, je viens te voir tout à l'heure, Abraham. Je te dis, tu sais, lui, c'est un voleur. Oh, te rends compte, c'est un voleur. Les gens sont fous. Et en deux secondes, une femme qui a envie de mettre son mari en prison, il m'a frappé. Et le flic, ah oh ouais, ouais, arrêtez-le. Où sont les preuves? La Torah nous dit, oh, tu es témoin, tu as tes preuves, tu as quelque chose. Tu as un mec, tu fais une affaire avec lui, tu dis, je sais pas, il m'inspire pas confiance.
Ok. Pourquoi? J'ai entendu. Ok. De qui? Où? Quand? Comment? Quelle année? Ben, il y a un an, il n'était pas en Israël. Alors, ça ne doit pas être lui. Ça y est, le problème, il est réglé. Parce que tu as juste pourri son nom. Encore une fois, j'étais en train de parler avec une femme un petit peu fatiguée de l'esprit. Je lui prouve par A plus B qu'elle a tort. Après qu'elle ait fait tous ces balaganes, qu'est-ce qu'elle me sort? Bon, ok. Je dis, comment ça? Bon, ok. Faut réparer tout ce que tu as fait comme mal. Quoi, la Nashimale, les Tsarenu Arab, Tsrim Tikkun, Gadol, Meod, Meod. Eh bien, Ezrat Hashem, on demande souvent la Geoula pour la Parnassa, pour la santé. Bon. Je crois qu'on a beaucoup besoin de la Parnassa pour les Cholé Nefesh dans cette génération très difficile. Je pense qu'une des plus graves maladies aujourd'hui, c'est les pathologies et les gens qui sont en dépression, et les gens qui sont tristes à mourir, et les gens qui vont très mal. Et j'espère que Bezrat Hashem, bientôt, le soleil brillera dans leur cœur, parce que c'est le but de nos prières, que quand la Mistral Ikhiu, et que Bezrat Hashem, que celui qui veut vraiment pas faire tchouva, qui compte garder son cœur noir, 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 eh bien on apprendra que Akadosh Baruch Hu lui-même, il a pas pu faire mieux que ce que je viens de dire, puisque à la 9e plaie d'Égypte, pendant la plaie de l'obscurité, il a juste pris 80% des cœurs noirs du peuple d'Israël et a fait sortir les cœurs gris à 20% qui ont fini par laisser sortir des cœurs blancs ce peuple qui est rentré en Eretz Israël. Puisque même les 20% qui sont sortis, leur cœur est encore gris. Et à la fin des temps, c'est marqué, du peuple d'Israël ne sera ni noir, ni gris. Ce sera un cœur de pierre. Okay? Je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. On parle souvent des problèmes de la vie financière et ainsi de suite. Mais Bezrat Hashem, qu'on fasse tous preuve d'honnêteté. Bezrat Hashem, qu'on fasse tous preuve. Et Baruch Hashem Amisrael Kedoshim, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ici, je ne suis pas en train de dire du mal. Je parle de certaines unités du peuple d'Israël. Unités, pas dizaines ni centaines. Qui ferait bien Bezrat Hashem, comme on vient encore le Doberman, là, comment il s'appelle, le Klebs qu'on a au gouvernement là. Lieberman. Ouais. Tout le pouvoir qu'il veut, c'est juste pour taper sur du Haridi. Haine gratuite. Alav ne'aymar emlaraha be'ezrat Hashem. Baruch Adonai l'olam amen. Amen.